Bonjour, chers amis cadistou. Je prends ce jour la parole pour vous transmettre quelques informations sur ce que l'on nomme la machine quantique Zida. Ceci parce que certains d'entre vous éprouvent le besoin d'utiliser cet engin particulier, et il me semble important que vous ayez toutes les informations avant de procéder à des déplacements spatio temporels. Cette machine prend sa source il y a des centaines de millions d'années sur notre planète du temps où elle s'appelait Dubku, et du temps où elle était occupée par une race d'êtres très puissants nommés les faiseurs de vie ou Mucidim. Ces Musidim de physionomie reptilienne avaient deux souverains mythiques, qui se nommaient Pistes et Eam, qui décidèrent de voyager à travers le temps et l'espace pour percer le mystère du contre courant en provenance du centre galactique, mais aussi pour démêler l'énigme des ennemis King Alam. Ces deux souverains n'étaient pas convaincus que les King Alam manifestaient une réelle hostilité à l'encontre des faiseurs de vie. À la demande du roi Eam, les savants de l'époque conçurent donc cette machine quantique capable de remonter le temps sans nécessiter un déplacement dans l'espace à travers les tunnels intemporels. Cette machine en cristal de roche, tirée de la zone Gaanzir de Sipasiana, autrement dit Orion, possède la forme d'un icosaèdre. Il s'agit d'un assemblage de trois pyramides à quatre faces, les pyramides du haut et du bas tournant en sens opposé tandis que la partie centrale reste fixe. En effet, les savants mucidimes connaissaient ce principe qui permet de remonter le temps en effectuant une rotation très rapide autour d'un corps fixe. Lorsqu'on élève la fréquence vibratoire de ces trois formes, il se crée une transmutation des éléments qui ouvre des portes sur différentes dimensions. Les voyages de ce type nécessitent la présence de deux polarités complémentaires, et c'est pour cela que l'on privilégie généralement des équipages formés d'un couple. Pour les raisons que je vais vous expliquer, il est nécessaire de s'entraîner longuement à ce genre de déplacement dans l'espace-temps que l'on nomme également voyage neuronal. Cela fait l'objet d'un cursus intensif de plusieurs mois au sein de la Tubanstar Soulienatus Academy, qui vous sera aussi brièvement expliqué. En effet, il faut savoir que les deux voyageurs qui sont les propres Kadishtou opérateurs de la machine Zida sont l'alpha et l'oméga de la machine, c'est-à-dire qu'ils en constituent le début et la fin. Ils annulent toute notion temporelle puisqu'ils forment le temps. Le pilotage s'effectue donc sous le seul contrôle neuronal des voyageurs. L'un forme l'hémisphère droit et l'autre l'hémisphère gauche, et les deux constituent une superintelligence connectée à la fois au cristal central de la machine Zida et aux deux cristaux appartenant au passager. Ainsi, la perception de la réalité vécue dans l'appareil est unitaire et permet de manœuvrer la machine à partir d'une vision identique les deux pilotes se connectent parfaitement en phase pour passer la barrière du temps et de l'espace. L'union intime du couple conditionne les performances du pilotage, raison pour laquelle ce genre de voyage nécessite un couple uni. La dualité et l'ego constituent les écueils les plus dangereux pour franchir la barrière temporelle lors d'un tel voyage. Sur le plan physique, les ondes cardiaques et cérébrales des deux pilotes sont synchronisées. En cas de déphasage, l'un peut toujours se rabattre sur l'autre qui prendra alors le relais. Les équipages de la Nahamia Fleet Command connaissent parfaitement le principe de fonctionnement de cette technologie qui ne permet aucun retour en arrière. Lorsque le voyage démarre, il doit se dérouler jusqu'à son terme. Voici donc quelques exercices enseignés au sein de la Tubanstar Solinatus Academy permettant aux opérateurs experts de pratiquer ces voyages neuronaux en toute sécurité. Activation de la Merkaba selon Drunvalo Melchizedek et notamment la pratique des 17 respirations. Pratique de la méditation des cadrans et ceci par binôme pour s'entraîner à la synchronisation cérébrale. Pratique de la cohérence cardiaque pratique de la connexion au chakra Estar. voici pour les principaux exercices voilà cher kadistu il est important de rester synchronisé pendant tout le voyage et une désynchronisation peut avoir d'importantes répercussions moi Yod King, ne suis pas en mesure ni de brider ni de limiter la machine zida en aucun cas car c'est une machine quantique qui ne peut être pilotée que par ses propres occupants, d'après leurs propres facultés neuronales. Je vous souhaite de beaux voyages dans les couloirs du temps et d'avoir la grandeur de pistes et âme, sans avoir la même destinée. Namasté.